Eh bien salut tout le monde, c'est OerSharks, on se retrouve pour un nouveau glitch commenté en zombie, cette fois-ci sur la nouvelle map d'Iris qui est sortie jeudi sur PS3 il me semble. Donc c'est un glitch avec le propulseur, donc le propulseur vous devrez le placer comme vous avez vu au début de la vidéo dans le coin pour, afin qu'il wallbrush le mur. Ensuite vous viendrez de l'autre côté du mur, je suppose que vous reconnaissez l'endroit, c'est juste en dessous de là où on construit le propulseur, vous sautez sur les matelas et c'est à peu près là. Donc je disais que vous devez aller dans le mur. Enfin, sur le propulseur qui vous fera wallbrush déjà une partie du mur et ça fera une barrière anti-zombie comme vous avez vu. Mais c'est pas en ça que consiste le glitch, c'est une pièce secrète que vous verrez par la suite. Donc ici, votre ami vous donnera son propulseur parce que c'est très important, il faut être deux pour ce glitch. Enfin, au moins deux, vous pouvez être deux, trois ou quatre. Donc votre ami vous donnera son propulseur. Là, le propulseur, oui, pour wallbrush dans le mur, il faudra deux, trois coups parce que ça se fera pas du premier. Si vous voyez, je suis dans le mur, je vais encore essayer d'y aller un peu plus. Voilà, et votre propulseur, vous devrez le placer dans l'alignement du mur, donc parallèle au mur à droite. Non, oui, parallèle. Non, ouais. Donc vous voyez, ici je vais vous accélérer un peu parce qu'on a fait 2-3 fails avant d'y arriver. Ça va pas tarder parce que ça fonctionne quand même assez souvent, on l'a fait tous les deux donc. C'est vraiment fun à réaliser et c'est une exclu, je le rappelle. Donc ici vous voyez qu'il va réussir, voilà, vous êtes dans la pièce secrète mais enfin je sais pas si on peut appeler ça une pièce parce qu'il peut juste se déplacer de gauche à droite mais il n'y a pas de dead barrière donc il est pas obligé de sauter, ça c'est vraiment bien parce que moi j'aime pas trop faire les glitches où on est obligé de sauter parce que il y a bien un moment où on va se fail. Si vous voyez il peut que se déplacer de gauche à droite mais il est invincible donc voilà. Donc lui aussi il y a une exclu qui va sortir aujourd'hui demain qui sera aussi un wallbrush dans un fauteuil qui créera une barrière anti-zombie avec le propulseur aussi. Donc vous verrez bien. Ensuite sur ce glitch vous voyez aussi le spawn des zombies, vous voyez tout en wallbrush, c'est vraiment épique pour une petite exclu trouvée quoi. Donc voilà, c'est la fin de ce glitch, j'espère que vous prendrez du plaisir à le réaliser si vous le faites et on se retrouve à la prochaine. Ciao.